Salut et bienvenue les pourfendeurs. Prêt à tester ton destin avec un dilemme mystère spécial Demon Slayer ? Des choix épiques et des surprises bizarres t'attendent. C'est parti. L'épée légendaire de Tanjiro capable de trancher n'importe quel démon ou le cadeau mystère ? Le cadeau mystère cachait une réplique du Haori de Tanjiro. Tu préfères posséder la force brute et titanesque de Gyomei ou miser sur le cadeau mystère ? Juste une simple photo de Nezuko. Mignon, mais un peu fade à côté d'une force surhumaine. Question suivante. Allez, fais confiance à ton instinct. Waouh ! Une page manuscrite du journal de Tanjiro, un rêve de collectionneur. Gauche ou droite ? Oh non, un vieux bandeau usé ! Ce cadeau mystère est un flop total. Que choisirais-tu ? Le suspense est à son comble. Incroyable. Le cadeau mystère permet de ramener Rengoku à la vie, le rêve de tout fan. Gardez le prix ou tentez ta chance pour ce qu'il y a à l'intérieur. Une rose, symbole d'amour, offerte par Mitsuri elle-même. Prendre le thé avec le légendaire épéiste Yoriichi ou dévoiler un secret qui bouleversera le monde avec le cadeau mystère. Tu viens d'exposer l'existence des démons au monde entier. C'est un sacré changement de jeu. Que choisirais-tu ? Surprise ! Un pique-nique avec Muzan. Bonne chance pour survivre à ce repas. Tu préfères être constamment suivi par Inosuke ou le cadeau mystère ? Le cadeau mystère te condamne à être constamment corrigé par Zenitsu qui hurle. Difficile de choisir le pire. Veux-tu avoir Nezuko comme partenaire de combat ou risquer le tout pour ce qu'il y a dans le cadeau mystère ? Tu viens de recevoir une épée qui pleurniche et se plaint exactement comme Zenitsu. Tu préfères devenir un pilier reconnu pour sa maîtrise d'un souffle ou le cadeau mystère ? Oh non, je ne veux pas devenir un démon. Que choisirais-tu ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. C'était une leçon de méditation avec Kanao. J'espère que tu as choisi le cadeau mystère. Maîtriser le souffle de l'eau, puissant et fluide comme Giyu ou le cadeau mystère. Une soirée paisible sous les étoiles avec des démons. Ambiance garantie. Auras-tu de la chance cette fois-ci ? Le cadeau mystère t'oblige à expliquer à Inosuke comment fonctionne un smartphone. Bon courage. Round 26. Réunion des pourfendeurs ou cadeau mystère ? C'était une mèche de cheveux d'un démon mineur. Un peu décevant. Tu préfères traverser une forêt sombre avec Muichiro qui a oublié pourquoi il est là ? Ou tente ta chance avec le cadeau mystère.
Un simple dessin de Zenitsu. J'espère que tu as choisi le premier choix. Faire du shopping avec Kanao ou obtenir la surprise dans le cadeau mystère? Le cadeau mystère te réserve d'être constamment bousculé par les souris ninja de Tengen. Prépare-toi à l'agitation. Odorat démoniaque ou cadeau mystère? C'était une broderie faite à la main par Nezuko. Adorable. Choisis entre devenir le disciple de Giyu et le cadeau mystère. Convaincre Muzan de devenir végétarien? Bonne chance. Être constamment bombardé de questions par Inosuke ou le cadeau mystère? Écouter les lamentations de Zenitsu? J'espère que tu n'as pas choisi ça. S'abonner à notre chaîne pour plus de quiz ou le cadeau mystère. Si tu as choisi le cadeau mystère, tu dois liker cette vidéo. Des conseils de mode de Tengen au style flamboyant ou découvrir ce qui se cache dans le cadeau mystère. Ça, c'est un cadeau de grande valeur. Question 18. Surveillé par Muzan ou cadeau mystère? C'était une maison confortable dans le village des forgerons. Tranquillité assurée. Choisis bien, chaque décision compte. Mauvaise pioche. Le cadeau mystère te balance un spoiler monumental sur la fin de Demon Slayer. Gardez le prix ou tentez ta chance pour ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as Kanao Tsuyuri comme sœur, un cadeau inestimable. Tu préfères vivre en ville avec Muzan comme voisin ou ouvrir le cadeau mystère? Muzan te salue poliment par-dessus la clôture. Burk, le cadeau mystère te condamne à manger uniquement des insectes. On espère que tu aimes les protéines. Quel est ton choix? Tu attires désormais tous les démons des environs. Attention à tes arrières. Combattre un démon supérieur en solo sans aucune aide ou le cadeau mystère? Un défi de taille. Le cadeau mystère t'apporte l'aide de Tanjiro et ses amis. Tu es sauvé. Choisis entre une mission top secrète avec Tengen et ses épouses et le cadeau mystère. Oh non, pas de chance! J'espère que tu aimes les toiles d'araignée. Auras-tu de la chance cette fois? Il est temps de prendre une décision. Un antidote. Tu reçois un remède pour redevenir humain après ta transformation en araignée. Posséder le pouvoir de régénération de Muzan mais être assoiffé de sang humain, ou le cadeau mystère. Un dilemme moral de taille. Un corbeau messager personnel, pratique pour envoyer des messages à tes amis pourfendeurs. Que choisirais-tu? Une épée de pourfendeur spécialement forgée pour toi.
préfères ne jamais maîtriser un souffle ou tenter le cadeau mystère? Bravo si tu as choisi le cadeau mystère. Round 7. Démon dans le train ou cadeau mystère? Devoir nettoyer les dégâts causés par Inosuke après chaque repas. Bon courage. Gauche ou droite? Le cadeau mystère te rend aveugle comme Gyomei. Un destin difficile. Choisis entre échanger de corps avec Genya pendant 24 heures et le cadeau mystère. La douce mélodie de Zenitsu hurlant comme réveil matin. Tes tympans vont détester ça. Recevoir un câlin réconfortant de Nezuko ou le cadeau mystère. Difficile de résister à sa douceur. Le cadeau mystère t'envoie direct dans un combat contre un démon. Devenir le rival de Tanjiro ou le cadeau mystère. Je ne veux absolument pas la menace constante de Doma. Tu préfères garder le prix ou tenter ta chance pour le cadeau mystère? J'espère que tu n'as pas choisi le cadeau mystère. Faire un voyage en voiture avec Akaza qui ne comprend pas les règles de la route ou le cadeau mystère? Le cadeau mystère te confie une mission délicate, convaincre Inosuke que les arbres ne sont pas des ennemis. Voilà pour aujourd'hui. Quelles options as-tu choisies? Fais-le nous savoir dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de fun et de défis animes. À la prochaine!